Ça, c'est une spécialité suisse. De partout où tu vas en Suisse, où tu achètes des choses, partout sur l'emballage, il y a le croix de templier suisse, même sur le papier cul. Voilà, il y a marqué solo parce qu'il faut le faire tout seul. Il n'y a personne qui t'aide à nettoyer ton cul poilu suisse. Là, il y a marqué l'ange bleu. Et sinon, s'il n'y a pas ces croix-là, j'appelle ça le graffiti suisse. Sinon, il n'y a personne qui achète quelque chose là-bas. C'est vraiment malade. Alors, là, il y a un stylo suisse, Swiss made. Tu te fais une liste pour des courses, pour acheter à quoi manger. Tu t'achètes des pommes de terre, avec le croix suisse, bien sûr. Sinon, tu le coupes en petites rondelles ou en croix suisse, si tu veux, avec ce couteau-là. Tu t'achètes du fromage avec le croix là-dessus. Tu mets bien du sel là-dessus avec le même truc là-dessus. Tu t'achètes du marmite suisse, les œufs suisses et tu fous tout dans un sac de supermarché suisse. Après, tu te prépares pour le repas avec une brosse suisse, made in Switzerland, pour le repas qui est exactement à 18 h heure pile. Quand tu es 5 minutes en retard, bon, tu bouffes pas. Après, tu t'achètes pour faire le repas du bois suisse, spécialement suisse. Il y a même marqué que ça vient d'un forêt suisse. Sinon, il n'y a personne qui l'achète, quoi. Avec le croix, bien sûr. Et tout ce superbe bois là-bas, tu le mets dans le four, préparé au bois, au feu du bois. Et après le repas, bon, tu t'essuies ton cul poilu suisse avec ce papier vraiment superbe, avec le croix. Et après, quand tu veux faire couler l'eau du shot, là-bas, pour faire disparaître le repas. Pas très bien pour le transit digestif du repas suisse. Et voilà, tu veux faire couler l'eau du shot. Voilà, c'est vraiment super d'être suisse. Hein. Génial. Comme on est heureux d'être suisse. Confederatio Helvetica, UDC, l'Union des cons. Cochon heureux.